Bienvenue, donc on se retrouve pour la première vidéo donc, de Carpta TV. La première, c'est la chaîne Carpta YouTube. Donc on se retrouve à Nauticarp aujourd'hui sur l'étang de la Loubière. On est en place pour 24 heures de pêche. Donc là, on est lundi, il est à peu près midi. Je viens d'arriver sur mon poste, donc ce que j'ai fait avant, c'est que j'ai marché autour du plan d'eau pour repérer un peu où étaient les poissons. Donc là, on s'est retrouvé sur le poste 1, niveau de la digue. C'est là qu'on a vu beaucoup d'activités. Et donc là, on va s'installer gentiment, essayer de prendre quelques poissons ce soir. Donc là, je viens finir mon tour d'étang. Franchement, un site super sympa, vachement sauvage. Donc, j'ai trouvé les poissons, pas mal concentrés sur le milieu de l'étang. Le problème, c'est qu'on a, donc on a du monde au poste 3 à côté. Après, quelques sauts donc dans cette zone-là, donc sur le poste 1. Et le vent, voilà, on a le vent pour nous, les conditions météorologiques annoncées. Le vent va souffler ici tout le long. Donc, je vais m'installer ici, commencer à pêcher, quelques poissons remontés vers la digue. Donc je pense que c'est pas un choix anodin, il y a moyen de faire quelque chose. Lancer avec la canne marqueur. Donc bon, le problème c'est un étang donc assez vaseux, un peu de sable, mais c'est très plat, donc pas grand chose à trouver niveau différence de hauteur de fond. Donc tout simplement je vais mettre une canne donc au pied de la digue. J'ai eu pas mal de manifestations de poissons, j'ai trouvé une belle tache de cailloux vraiment très propre qui est autour, c'est que de la vase. Il y aura une canne dessus et après donc je vais finir de sonder. J'ai une bonne zone en face de moi en pleine eau à bonne distance de canne, donc il n'y a plus qu'à trouver un spot précis et mettre en place l'amorçage. Bon bah enfin posé pour la nuit, donc l'amorçage est mis en place sur toutes les cannes, donc parti sur une stratégie, une canne solitaire en bordure en bas de la digue, ensuite deux cannes en plein eau sur une zone où on a eu pas mal de poissons bouger vraiment en plein milieu du lac, une distance d'environ 120 mètres à peu près. Donc maintenant tout est posé, on croise les doigts pour la nuit, en attendant on va aller se manger un kebab avec les copains
Et puis bah, il n'y a plus qu'à. Après une nuit assez calme et une décroche en début de journée, premier poisson en pleine matinée. Donc amorçage à la krill and cray, pop-up krill and cray, couleur naturelle, même couleur que la bille. Voilà, puis j'ai un poisson déjà un très bon poids. Donc en espérant que ça continue sur la lancée, on va la remettre à l'eau et essayer d'en prendre d'autres. Donc aujourd'hui, on a des bonnes conditions météo, il fait chaud, il fait très orageux. Pour moi, les poissons seraient plus entre deux eaux qu'à se nourrir sur le fond. Donc j'ai décidé de pêcher avec une Daisy Grig. Donc là, je pêche dans une hauteur d'eau d'à peu près 2 mètres. Donc je pêche entre 1m20 et 1m70. Et c'est les couches d'eau, généralement, les poissons sont quand on pêche au zig. Donc pour pêcher au zig, j'utilise donc nos nouveaux produits. Donc ici, les maïs. Donc ce sont comme des fake corn en fait, comme des maïs plastiques, mais fait à partir de matières premières de pop-up. Donc ce qui va faire qu'on va avoir exactement la même flottabilité qu'un maïs plastique, les mêmes tailles, donc nous on les possède en trois tailles différentes, également plusieurs goûts différents, six couleurs différentes, donc on s'y retrouve au niveau de la diversité des maïs plastiques. Par contre un avantage qui est flagrant, c'est que le maïs plastique ça pollue, on est tous arrivés à casser, à perdre un maïs plastique lors d'un combat. Avec ça, on n'est pas embêté. C'est quand même pop-up, c'est biodégradable. Donc, c'est un aspect en plus hein, pour nos plans d'eau. Et voilà, ça fait parfaitement. Que ce soit pour utiliser au zig, ça flotte très bien. Pour utiliser au fond, sur un spinner rig, ou même combiner une bouillette, c'est un combo qui marche très très bien. Bon, du coup là on vient de prendre un gros orage, là c'était pas prévu au plan. Donc après ça là on grand soleil. Donc
Vu qu'il est mon en fin d'après-midi, je vais arrêter de pêcher au zig maintenant. Donc, je vais repasser au fond. Je vais tout remettre en place. Donc, contrairement à hier soir, là, je vais allonger un petit peu ma pêche. Voilà, concrètement, hier, je pêchais à 125 mètres. Les poissons sont encore 10-15 mètres derrière à sauter. Donc, je vais pas faire trop de bruit à amorcer à cette distance-là. Par contre, je vais allonger les cannes derrière l'amorçage, donc à 135 et 130, en amorçant à 125. Donc ça va être le but. Après, question montage. Donc, là, je suis parti. Donc, sur un Rony Rig, ou Spinner Rig, comme vous voulez l'appeler. Donc voilà, niveau présentation, pop-up, je pêche sur un substrat qui est très vaseux, pas mal de résidus, des vieux joncs, quelque chose comme ça. Donc il faut absolument que ça pêche. Donc une pop-up, donc dans la gamme extrême, donc c'est les pop-up renforcés qui sont plus durs. On a pas mal d'écrevisses, on a tendance à se faire tailler les appâts. Alors là, moi je suis sûr que ça pêche pour la nuit. Maintenant, il n'y a plus qu'à tout mettre en place et on croise les doigts. Bon, les poissons pris en plein sur l'amorçage au petit matin. Ça fait plaisir hein, quand elles rentrent vraiment en plein dessus. Donc, toujours pas un monstre, mais un joli poisson qui m'a fait un super combat, un jeune poisson. Et encore du nerf. Donc maintenant, on a reposé les cannes, en espérant que ça continue. Essayer de faire rentrer un calibre un peu supérieur. En espérant que ça passe dans la journée. Voilà, encore un poisson pris au sac soluble. Donc, comme je disais tout à l'heure, les poissons sautent pas mal derrière l'amorçage.
Donc un sac solide placé à peu près 15 mètres derrière l'amorçage. Juste un petit stick de pelet avec un petit maïs et voilà, ça fait le boulot. Bon, c'est pas un monstre, mais ça fait toujours des touches, et ça fait bien plaisir. J'aime pas ça. Enfin, j'ai perdu le plomb déjà. Yes! J'ai 20 pouces. C'est facile. Bon, les touches semblent s'enchaîner. C'est déjà le 7e poisson, si vous ne trompez pas, de la journée. Une canne qui touche beaucoup et là, une autre canne qui déroule. Juste décaler un petit peu de l'amorçage avec un petit stick, un Hufters et un petit maïs jaune sur le dessus. Et là voilà, les gros poissons, ça fait déjà 3 gros poissons pour la journée. Il n'y a plus qu'à continuer maintenant en espérant que cette nuit, ça continue à aller me lancer. Bon, les touches semblent clairement s'enchaîner. Hein. Encore un poisson, la canne, ça faisait une demi-heure qu'elle pêche. Et voilà, encore un poisson, une jolie commune, pleine de nerfs. Qui va littéralement démonter pendant le combat. Et qui a encore de l'énergie à revendre. Donc, on va finir de reposer tout ça. Et en espérant que retoucher un beau poisson avant la nuit et avant la fin de ce tournage. Oh. Allez. Go, 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 go.
ça continue sur la même lancée. Encore un poisson, hein. Une canne positionnée un peu plus de 10 mètres derrière l'amorçage, je n'avais pas décollé depuis ce matin. Et j'ai tout simplement changé l'èche. Je suis passé sur une pop-up avec un maïs jaune. J'ai l'impression que le jaune déclenche des touches. Et là, ça n'a pas loupé. En l'espace de 10 minutes, j'enregistre deux touches sur deux cannes différentes. Donc, c'est juste parfait. Il me reste une canne qui pêche. Plus qu'à remettre deux autres et espérer continuer de toucher et monter un petit peu en poids. Et voilà, encore un gros poisson qui tombe là. Rien de mieux pour finir cette journée. Vraiment terrible. Et finir ce tournage. Parce que oui, je vais peut-être encore faire une nuit, mais Gareth, le caméraman et le boss Carta, donc doit partir. Ça aurait été un super tournage. On aura pu vous montrer différents poissons, dont quelques très beaux sujets. Donc un grand merci à Guillaume de Nautica pour son accueil. Et encore à Gareth pour les produits Carta. On me disait pour les produits Carta. Voilà, super produit, encore un très bon résultat avec. Donc, si vous êtes intéressé par les produits Carta, vous pouvez aller voir directement sur notre site carta.com et vous retrouvez toute notre gamme, dont la gamme Krill & Craig que j'aurai utilisé tout au long de cette session. Bon, allez. On va la remettre à l'eau. Elle est encore pleine de forme. Et maintenant, on va remettre les cannes. À la prochaine. On vous dit sur une prochaine vidéo sur la chaîne Carta TV avec sans doute un autre thème. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez nous suivre au long de différentes vidéos. Et voilà, on vous dit à la prochaine.